et re-salue. Donc on va enfin en finir avec cette usine. Et il y a toujours des ennemis qui nous cassent les couilles. Ça c'est nul. Je vais remettre ça perdu. Donc ça perdu, ouais, ça fait parfois très mal comme vous voyez. Donc là XP gratos, je vais même pas user mon vie ni rien. Donc il faut toujours qu'il y ait des ennemis pour venir m'emmerder de toute façon. Ah, ils sont assez chiants, je crois. Ouais, c'est bien ce que j'avais dit. Ça sert à quoi d'avoir des outils de... Oula, ça tous ceux multiples de niveau 5 qui crèvent. Ouf, il n'y en a aucun. C'est important de les faire eux parce que comme ça on les aura dans le Veldt et on pourra prendre niveau 5 destin. Le Veldt, je vous rappelle, c'est la plaine où on peut rencontrer tous les ennemis du jeu qu'on a déjà combattu. Putain, mais t'as pas vu long. Bordel, mais ils vont arrêter de nous faire chier. Non, eux il nous les faut aussi. Robot. Oula, ils sont résistants. Putain, ils résistent, c'est con. War V3, c'est un truc qui récite dès qu'on crève en fait. On se le met sur nous même quand on est vivant en fait. Enfin, quand on est vivant. Et si on crève, on récite automatiquement. Donc ça, c'est sympa quoi. Ça s'appelle Auréole dans certains autres FF. Là ils essaient de le faire mais ils peuvent pas parce qu'ils ont pas... Donc eux si je les ai dans le Veldt, après je les aurai avec Go. Donc lui il les régénère donc... Et après Go pourra faire V3 du coup. En fait Go sert à rien de la prendre des magies, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Tant pis. Au moins il a les augmentations de stats. Ah voilà le boss. Vous allez voir, il est assez chiant. Parce qu'il change tout le temps de... Donc, je voulais la marine déjà. Donc alors, qu'est-ce que je voulais faire? C'est canon. Donc lui il fait pas d'aliments, c'est bien, je suis perdu. Ça dit pas ce qu'il prend ça. On va essayer les flics. Ouais, est-ce qu'il craint le feu? Ouais, il craint le feu. Eux, il faut. Faut absolument les réveiller donc. Donc là, voilà, là, il change d'élément. Quand il fait ça, il change d'élément. De toute façon, Go il fait quand même des dégâts donc. Putain, il se régénère en plus. Et donc, tant que j'ai pas son élément, je préfère rien lui faire. Surtout que mon arme est élémentaire, mais Go de toute façon, il faut tout le temps des dégâts parce que c'est pas élémentaire donc.
contre le poison. Okay. Après, je vais le faire. Poison. Oh non, le con, il change au dernier moment. Putain, le salopard. Ah oh, bah, il craignait encore le poison. J'ai eu de la chance. Dès qu'on lui fait une magie, il change de truc. On arrive à nous attaquer nous-mêmes. Ouf. Oh, ça se fait chier par contre. Faudrait que je puisse soigner machin. Le foutre en lutin, tiens. Ça devrait être une perche. Parce qu'en fait, si je le frappe pour le. Pour l'empêcher de. Donc faire des attaques, le problème c'est qu'il s'est mis le truc qui le fait contre-attaquer automatiquement. Donc il va me contre-attaquer même, tu sais. Donc comme ça, voilà, il ne me faut plus rien. Alors. Il me faudrait un scan. Terre, bah j'ai rien contre terre. J'ai rien qui puisse faire terre, donc. Scan. Putain, j'ai rien en terre. Et pour l'instant, je peux rien lui faire en fait. Il faudrait que je soigne quand même. Go. Merde, trop tard. Bon, elle va frapper Sian. Voilà. Alors, lui il va réciter. Go. Ça se prend enlever le temps. Ça c'est chiant ça. Voilà. Donc le truc c'est pas de mettre les sorts. Faut pas lancer les sorts au pif parce que ça peut le soigner si c'est son élément. Donc il y aura un ennemi comme lui beaucoup plus fort plus tard. Il s'appelle Magi Master. Donc, je sais pas comment ils l'ont traduit. Alors là, hop. On va libérer les espères. Donc là, on va avoir plein de nouveaux espères. Seed, bon, je vous ai dit qu'il y avait un Seed dans le jeu, mais qui était pas important, bah c'est lui. Non, je vous l'avais pas dit en fait, c'est sur une vidéo que j'avais dû recommencer. Ah oui, c'est lui Sid, mais il a pas de vaisseau ni rien. Parce que c'est cette dernière que le vaisseau.
Ah, le rire de Kafka. Ouais, si ça n'était pas là, il aurait rien dit. Donc c'est selon les persos, il y a différents dialogues en plus. Donc là, ouais, on doit se barrer en fait. Ah bon, on est à fond, ça tombe. Alors, donc, tous les trucs de Céleste, du coup, on les a. Donc là, on a Blizzard, c'est un truc de près, ça. Alors, ce que je voulais faire. Ramu, donc on s'en branle maintenant. Il faudra les trucs de soins pour loquer. Ça, Bismarck, ça c'est sympa. Ça donne vie. Et voilà, feu, glace, machin. Et ça c'est aussi sympa, c'est feu 2, glace 2, feu 2. Donc là c'est un lag, excusez-moi, mais c'est mon antivirus qui se met automatiquement en mise à jour. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Allez hop. Donc là on doit se barrer. Donc là on est dans un tunnel. Donc ils craignent la foudre si je me trompe pas. Quoique non, peut-être pas en fait. Donc là j'ai une épée de glace, hein, je vous rappelle. Merde, t'as les soignes. Ah, il s'entretue du coup. Total Food, ça sert à... Combien? Shadow. Ça
fait des dégâts de foot sur tout le monde. En fait. Vous voyez, c'est pas trop dur. Donc on voit d'autres rails des fois sur les côtés, mais je crois pas qu'on puisse les prendre. Comme là par exemple. C'est juste du décor. Bon là c'est clair que c'est pas très bien fait. Enfin bon, c'est de la Super NES quand même. Long que je croyais. Et voilà un boss. Ah oui, je me rappelle de lui. Il est bien chiant. Donc alors, pour vous informer, il y a trois parties. Si on tue celle du milieu, on gagne. Les deux autres, il les régénère tout le temps. Mais il vaut mieux les taper pour pouvoir se régénérer en fait. En fait, je vais vous laisser là, on verra le boss à la prochaine fois, parce qu'à mon avis, ça va pas tenir longtemps. Ouais. Bon allez, à la prochaine là.